Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits papiers d'Elsa. Aujourd'hui, je vais devoir faire 4 cartes de remerciement. Donc j'ai utilisé un lot de 4 cartes et 4 enveloppes que j'ai achetées chez Action il y a un petit bout de temps. Ce sont les cartes, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, un peu irisées qui font 13 par 13. Et pour les faire, j'ai décidé de prendre le petit bloc Alpaga and Friends de chez Action aussi. Donc ils disent qu'il y a 50 feuilles. Il y a 4 fois le même motif. Ouais, à peu près, c'est ça. 4 fois le même motif. Alors moi, je suis très fan des Alpaga. Hein. C'est une boule trop trop mignon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a dans ce bloc, c'est qu'il y a des choses un peu motif rectiligne comme ça, qu'on peut utiliser en papier de fond. Comme le violet aussi, et d'autres un peu plus fun avec des petits alpagas. Donc ça, je vais l'utiliser. Et j'ai décidé aussi d'utiliser le bloc paper block. Donc c'est en j'ai perdu le mot, c'est en dégradé. Je sais pas, il est ouvert celui-là? Non, je sais pas, je vais l'ouvrir pour vous montrer en évitant de bousiller les feuilles. Voilà. Voilà, ce sont des dégradés de feuilles, pas des dégradés de couleurs. Du rose au rouge, du bleu marine au violet, du jaune au vert. Enfin voilà, c'est assez, assez sympa. Donc je pense que je vais pouvoir les utiliser aussi pour ce bloc. Et donc, sans plus attendre, c'est parti!
Thank you.
j'ai terminé mes 4 cartes. Donc faites avec la collection Alpaga de chez Action. Donc moi en fait quand j'utilise un petit pad comme ça 15 par 15, je prends leur pochette en plastique. Comme ça je mets le pad dedans et je mets derrière toutes les petites chutes qui pourront m'aider quand j'en aurai besoin en fait, quand j'aurai besoin de me resservir. Donc avec le kit Alpaga et Friends et le paper block et voilà, j'ai encore perdu le mot. En dégradé, voilà. Je me suis aussi servi donc de la planche Alpaga. Alors, je connais pas exactement le nom parce que je les ai eues sur Vinted, je crois. Mais c'est de la collection Toga. Et donc, la planche de tampons. Merci de tout cœur et un très bon anniversaire de Miaoups Création. Donc, je vous refais un petit récap. Je vous remontre un petit peu les cartes que j'ai fait. Ce sont des cartes très simples. Et les petits enamel dots, c'est celles que j'ai. On peut en commander plein sur AliExpress. Voilà. Tac. La deuxième, la troisième. Et la quatrième. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous aurai un petit peu inspiré. Je vais de toute manière mettre toutes les infos en barre. Tous les détails en barre d'infos, il y aura aussi des photos sur Instagram, sur ma page Facebook et sur mon blog. Comme ça, je vous montrerai aussi les sketchs que j'ai utilisés, que j'ai trouvés sur Pinterest, que j'ai utilisés pour faire ces 4 cartes-là. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!